panada yo sambe na dika mwa bare mana ka benanga yo panada yo sambe na dika mwa bare mana ka yesu nanga yo. Bien-aimés, fidèles téléspectateurs, téléspectatrices préférées de l'émission La Voix Triomphante à la RTVS, un satellitaire, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde et prépare le cœur de tout un chacun à recevoir le Réma qui est la révélation de la vérité de la parole de Dieu. Et je crois que vous allez comprendre et commencer à utiliser ce qui vous appartient en Christ Jésus. Et aujourd'hui, je vais parler d'un thème très très important. Pourquoi Dieu nous rend-il prospères? Ponani nzambe alingaka biso tozalabao toza prospères toza yakufuluka. Amen. Voilà, bandeko balandi ba fidèles téléspectateurs, téléspectatrices, pe ba union surtout na tangoyo. Bozwa mibisika nyonso partout dans le monde et pa yi boza kolande mission oyo. Na mokolo na yenga ya lilo ya solo na deuxième quinzaine de koti ya mois de septembre 2017. Voilà, boza en direct na molinga mina bino l'apôtre de Jésus, l'archevêque, mentor, coach. Docteur Kapita Mbombe, le professeur motivateur, l'économiste de formation. Voilà, Banteko. Nengena uti koloba, namo kolona lelo. Tuzali koyeba, kolobela likamboyo. Pourquoi nzamba zali kolinga, bisu tuzala prospère, tuzala kufuluka, tuzanga kate, sur le plan matériel et financier, ponanini nzamba lingi lolenge wana. Voilà, mes bien-aimés, voilà pourquoi nous partirons de ce passage biblique dans le livre de 3 Jean 2, 3 Jean 2, 3e épître de Jean, le verset 2. La Bible dit, je lis pour vous au nom de Jésus, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Moulingami, nazali ko sepela yo ofuluka na balo lenge nyoso à tous égards. Et là, la précision c'est sur le plan matériel et financier. Penalingi ozala na santé malamu. Ndengo zali ko la nanga yo pe zala na santé malamu. Ko banana songe ya moto na yo tina se ya makolo. Voilà. Et comme prospère l'état de ton âme. Le lenge et limonayo, ezali koyeba ko prospérer. Amen. Je crois que prospérité à motuya ya munene ko le kananyoso, ezali d'abord prospérité à âme. Et voilà pourquoi il faut le bana nzambe mokolo nyoso merci. Tant olanda ke mission La Voix Triomphante na RTVS un satellitaire mokolo nyoso tuya eyinga. En direct, nous attendons aux Alikolanda pour diffusion à l'émission Oyo. Ils allent à Kamukoloya mardi à 0h45. Je crois que nous avons vraiment que Erwana est à moi liposo pour être belé dans le bateau. Parce que le bananga pasteur Erwana, si tout là, il est aux Alandate, rediffusion. Ils allent à moi passer. Je crois que nous avons vraiment besoin que c'est là à moi liposo. Nous avons à 0h. Pour être bateau bas sur la maca pour bas prospérer na âme na bango parce que la prospérité de l'âme ne peut venir que quand on reçoit avec douceur la parole de Dieu qui peut être plantée dans votre cœur comme la Bible le dit je crois dans Jacques chapitre 1er et je crois le verset 21 la Bible dit recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut sauver l'âme de quelqu'un. Cette parole que vous recevez en ce moment,
selon la parole de Dieu également qui nous dit dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, vient du réma de Dieu. Voilà pourquoi à chaque fois que je commence cette émission, j'ai toujours fait cette prière pour dire que vous allez recevoir le réma qui est la révélation de la vérité de la parole de Dieu et vous allez comprendre et commencer à utiliser ce qui vous appartient en Christ et Jésus, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ce qui leur appartient déjà en Christ et Jésus. Et voilà pourquoi ils font des efforts, ils font des choses pour chercher à obtenir le résultat, alors que la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous fait prospérer et les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Ezalinde li pamboli na nzambe yango nde mteza koyeba ko faire prospérer biso pe makasi na moto ekobaki salango eloko moko te. Voilà pourquoi il faut toyeba oyo ezalaka ya biso déjà kati na Yesu Christo quand sur la croix il avait crié tout est accompli. Alors à ce moment-là vous allez comprendre que votre liberté en Christ et Jésus, c'est-à-dire la prospérité de votre âme, comme aussi votre bonne santé qui est la volonté suprême et parfaite de Dieu pour vous, comme aussi la prospérité matérielle et financière, tout ça, nous les avions déjà, d'ores et déjà, en Christ Jésus, quand il avait crié sur la croix, tout est accompli. Amen. Alors, pourquoi Dieu nous rend-il prospère? Écoutez, mes bien-aimés, vous savez, Dieu nous enrichit afin de nous bénir et de pouvoir à nos besoins. Amen. Voilà ce qui est très important, ce qu'il faut retenir en ce moment d'entre les jeux. C'est très très important. Amen. Dieu nous enrichit, il nous fait prospérer afin de nous bénir et de pouvoir à nos besoins. Amen. Nzambi azakolingato zala baoyo baza riche, tout s'enrichir, tout à la prospère, pour être aligné au pamboula biso. Parce que déjà, ça pamboula biso. Doré déjà, tout à la baoyo déjà, si tout pamboula ma, nan zambé. Je crois que vous l'avez dit, ma terre, nan gai mou kolonion, so, nan gai l'oubaki que, ya solo nzambé, tant wa kila ki moto faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, dans Genèse 1, 26, et dans Genèse 1, 28, c'est Dieu qui dira, Dieu le bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la sujettissez et dominez sur toute la terre. Amen. Donc, Nzambi, œuvre naïe à souka ya création ou à salaki, tangwa, avant kotana repona na septième jour, tangwa ou tiko ke la moto na fin à sixième jour, et zalaki nde à l'obaki, ma li pamboli li kolo na moto ya kelaki. Moto angwe zangai, ezayo, ndengozali kolanda émission. C'est vous et moi. Dieu nous avait déjà bénis. En commençant par le premier être humain qu'il avait créé, Adam et Ève. Dieu le bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la sujettissez et dominez sur toute la terre. Amen. Donc, Dieu nous a déjà bénis. Et voilà pourquoi vous voyez même dans la Bible, dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, la Bible nous dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ et Jésus. Amen. Béni soit, bopambolama. Nzambe papa na biso na bisika na lola o ya sa pambola biso na ba mapamboli o ezali ya molimo mapamboli wana ya molimo e kokoma réalité sur le plan matériel tant au biso tozana kontima na o ezali li pamboli wana la foi en la bénédiction que Dieu avait prononcée dans Genèse 1 28. Amen. Donc nzambe lingi tozala riche, tozala prospère pour être lingi ko pambola biso pour ce que to pambola mi toko mape li pamboli pona bato mosusu ndenge to monaki alobaki pa na Abraham na Genèse 12 verset 3, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ba oyo nyonso tout bazali ba mabota nyonso na mokili ba ko pambola mananzela na yo Abraham. Amen.
Alors, il y a Abraham qui a été pour tirer la nation d'Israël, mais bénédiction nous ambalobaye pour Abraham, Moutazala qui héritier nango, c'est Jésus-Christ, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Amen. Donc, le coup les acquis héritier Jésus-Christ, voilà pourquoi nous déco et Seigneur, il a dit na yo, oh yamba Jésus-Christ, le coup la mon conti. Pe mon bic ici, pour yo bénéficier la bénédiction nous ambé à prononcer qui et pas in Abraham, pe oyo, et zala qui y a solo. Na oyo abongi sama ki nango héritier nango Yesu Christo pour yo soko pour yambi Yesu okoma ko héritier tout patre partager héritage wana na Yesu Christo izala ka ye mokote mais izala pina biso ba oto yambi Yesu lokola mokonji pe mo pikisi. Amen. Donc Dieu nous enrichit et nous rend prospère afin de nous bénir, et si nous sommes bénis, nous deviendrons une source de bénédiction pour les autres. Et en même temps, Dieu pourvoit également à nos besoins. Voilà pourquoi Dieu nous rend prospères, parce qu'il veut pourvoir à tous nos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, comme la Bible le dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Christ et Jésus. Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devons savoir ceci, Dieu ne veut pas peut-être faire de chacun de nous un millionnaire ou bien un milliardaire, mais il veut nous rendre riches, c'est-à-dire il veut nous rendre prospères, florissants, abondamment pourvus, complètement approvisionnés. Amen. Donc, Nzambe, pour ça, na pour na biso, ezalika a tetam surtout comme un millionnaire. Voilà pourquoi prospérité matérielle et financière, ceux qui te vivent en comme un millionnaire, un milliardaire, n'engue, y a solo, tout mon akabato na mokili, baza un millionnaire, un milliardaire. Mais eloko nzambe alingi à rendre bisoto comme riche, c'est-à-dire prospère. Et riche, prospère, et l'ingolobanin, tous à la florissant. Donc, ma camonabus, ils ont qu'un des toujours malamou, abondamment pourvu. Tant on y a so, tous en a besoin, mon robot, tous à abondamment. Abondance, ils allient, tous à quoi y'a pas pouvoir, n'a pas besoin d'abisso, puis complètement approvisionné. Complètement approvisionné. C'est ça, ce que Dieu veut nous rendre riches, prospères. C'est-à-dire que des gens qui sont florissants, complètement approvisionnés, abondamment pourvus. Amen. Et voilà pourquoi, mon bien-aimé, moi, je n'ai jamais honte de prêcher la parole de Dieu sur la prospérité, parce que la prospérité est incluse dans la bénédiction. La bénédiction que Dieu avait prononcée, d'abord, ce que les premiers êtres humains ont entendu de la part de Dieu quand Dieu les a créés à son image et selon sa ressemblance, c'était la bénédiction au singulier. Et cette bénédiction, la prospérité même matérielle et financière, n'est qu'une partie infime de cette bénédiction. Amen. Voilà pourquoi être béni implique plus que posséder de l'argent. Amen. Être béni implique plus que posséder de l'argent. Mutumusha kanza soza na mbongo aza béni. Non, biso toza riche katina Yesu parce que toza li béni. Mais mon tumsa oloba non nga naza béni parce que naza riche naza na bambongo mais aza na Yesu Christo te. Amen. Voilà pas précision et singele ba ko pesama. Amen. Donc nzambe aza ko rendre biso riche parce que lingi toza la béni pe ba besoin na biso toza la pourvu toza la complètement provisionné abondamment pourvu. C'est ça la prospérité. C'est pourquoi vous voyez que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 8, 9, des riches que Jésus était, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Yesu azala qui riche, à comment qui pauvre sur le plan matériel et financier, bien sûr, pour être biso, tous à la sous ma pauvreté, mais tout comme ma riche. Voilà mon frère, ma soeur, vous qui me suivez en ce moment, n'acceptez pas la pauvreté dans votre vie. N'acceptez pas de vivre toujours dans le manque, le besoin. Parce que le besoin, c'est comme la maladie. Si quelqu'un est malade,
Il cherchera ce que cette maladie quitte son corps et il va croire à la parole de Dieu qui lui dit dans 1 Pierre 2:24, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le poids, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par le meurtrissure duquel nous avons été guéris. Voilà pourquoi mon bien-aimé, si tu es malade en train de me suivre en ce moment, dis seulement à la maladie de disparaître, de lâcher prise ton corps parce que tu as été déjà guéri. Par le meurtrissure de Jésus, Jésus a pris nos infirmités, nos maladies, ce sont nos maladies qu'il a portées, nos souffrances, et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et par ce meurtrissure, nous avons été guéris, comme la Bible le dit dans Ésaïe chapitre 53, le verset 4 à 5. Amen. Est-ce que vous suivez très bien, mes bien-aimés? Donc, être béni implique plus que posséder de l'argent. Mais écoutez, mes bien-aimés, une précision de taille. C'est vrai, Dieu veut nous rendre prospères afin que de nous bénir, afin que nos besoins soient pourvus. Mais, et c'est le plus important, amen, mais, et c'est le plus important, Dieu veut nous rendre prospères pour que nous puissions contribuer à l'accomplissement de son œuvre. Là où nous sommes, dans notre pays, comme ici chez nous en RDC, et sur la terre entière. Amen. Et si nous les comprenons, si nous ne les comprenons pas, ou peut-être nous l'oublions, parce que beaucoup de gens oublient ce que je viens de dire, ou ne les comprennent pas, voilà pourquoi il faut avoir la compréhension. La compréhension conduit à la victoire, tandis que l'incompréhension conduit à la défaite. Alors, je répète ce que j'ai dit, mais c'est le plus important, c'est quoi? Dieu veut nous rendre prospères pour que nous puissions contribuer à l'accomplissement de son œuvre et de sa volonté, là où nous sommes, dans notre pays et sur la terre entière. Et si nous ne les comprenons pas, ou l'oublions, nous risquons de perdre la bénédiction. Bandeko, tokoye bako perdre bénédiction, nzambe sa kitse la biso, yamoni bate bele le bako mako perdre ba bénédiction, alors que bazani na babo zui, ainsi de suite, ba moussou peut-être baza na ngope, mais peut-être bako yu wako perdre la ngope, parce que ba yebite que nzambe, eloko izali ya motuya, alingi tous à la prospère pour nanini. Non pas ka ba bezon abiso izala pourvi, alingi abiso tout pambolama, mais toko ma source y a bénédiction pour na ba mususu. Et voilà pourquoi façon ako ma source y a bénédiction pour na mususu. Et ils allaient to contribuer à l'accomplissement ya o ils allaient volonté nae pe na œuvre nae. Mon kanon nae pe na o ils allaient mon sala nae. C'est ça qui est important. Parce que soi to bosanye lokwana ou bien peut-être toujours comprendre la moté li pambolio même nzamba tik a kitsela biso. Tokoye ba ko perdre dans le roi ba te belé ba perdre ba mapamboli ba mususu petit lelo ba lobaga ba za béni mais ma bénédiction ana ba koyoye ba ko perdre en haut parce que ba éviter que pourquoi nzamba pamola bango ezali beaucoup plus pour te ba contribuer na o ezali œuvre en tambe pe ko sale la o ezali mon canon en tambe. Amen. Est-ce que vous suivez très bien, mes bien-aimés? C'est très important. Vous savez, mes bien-aimés, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean, chapitre 4, le verset 34, si je peux lire cela. Voyons ce que la parole de Dieu nous dit dans Jean, chapitre 4, le verset 34. Jean, chapitre 4, le verset 34, la Bible dit, je vais lire pour vous 34. Jean, chapitre 4, verset 34, la Bible dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Yesu a le beli bango bilei nangai. Vous savez, bilei za ke lokwa bien ou lia ce que lié et saline zoto pe bien. Amen. Vous en a bonne santé. Amen. Alors, bilei nangai zali na sala mokano ya o ya tindingai papa nangai pe o ezali œuvre nangai. Œuvre nae o ya papa nae. Amen. C'est ce que Jésus dit. Ma nourriture, c'est-à-dire mon but. But nangai, awana mokili nase, tangwayaki, alubi ezali po, nasala mokano ya oya tindingai pe œuvre nae. Et vous savez quelle est la volonté du Père que Jésus est venu accomplir?
Et voilà pourquoi je vous dis que ce n'est pas pour rien que Dieu veut que nous soyons bénis afin d'accomplir son œuvre et sa volonté. Alors, quelle est la volonté que Jésus-Christ est venu accomplir ici de son Père? La Bible nous dit dans Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils ici sur la terre pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé. Amen. Nzamba linga ki mokili atinda ki mwane alikinda Yesu Kristo po ete moto ya kondimela Yesu akufate me azwa bomoi na seko la vie éternelle. Amen. Et après balbi nzambe en effet atinda ki Yesu te po ya ko condamner batu nde konazo le ka te po na condamner yo mais ali po ete bato oyo bazana mokili baza perdu babi ki samana Yesu Christo. Voilà mes bien-aimés, ce qui est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Jésus est venu. Et voilà pourquoi moi aussi je suis là aujourd'hui ce matin en train de prêcher l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Lobi kona moto azali kondima. Amen. Ce qu'on dit mi kaka ke lobi kwezana Yesu Christo ndeko volonté nzambe ko kisamina vina yo. Amen. Et après, qu'est-ce que nous verrons également? Nous verrons également dans Matthieu chapitre 9, le verset 35. À part la volonté de son Père que Jésus est venu accomplir, il a fait aussi son œuvre. Et quelle était l'œuvre que Jésus avait fait? Si nous lisons dans Matthieu chapitre 9, le verset 35, la Bible dit « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant, comme je suis en train d'enseigner, dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, prêcher la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité. » Amen. Voilà ce que Oezali œuvre, Oyesu Ayaki, Azo Iko Sala. C'est-à-dire que Azo enseigné dans la synagogue, Azo prêché bonne nouvelle, puis Azali Koye Bakoubi qui s'abao baza malade, puis naba infirmité. Voilà mes bien-aimés, ce que Jésus est venu accomplir, le but pour lequel il est venu ici sur la terre. Ayaki poete, moto yo akondi melaye, akufate ma zoabo moina, seko la vie éternelle. La chose la plus importante, oyo bandeko, moto même tozana mbongo, mais soki ozana vie éternelle te, et loko nako luka liboso, ozala na vie éternelle. Amen. Amen. Voilà pourquoi vous voyez que même dans la Bible, on nous dit que quelque part, le binabiso, Paul Azaïko, le banaba corinthien, ce n'est pas votre argent que moi je cherche, mais c'est vous-même, c'est-à-dire votre âme. Âme nabino ya onde nazako luka. Et zambo mon abinote. Pourquoi? Parce que les gens doivent désirer ce que nous avons, nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons quoi? La vie éternelle. Amen. Et c'est ce que les gens doivent d'abord chercher dans leur vie. Et quand vous avez la vie éternelle, tout le reste vous sera donné par-dessus. Comme la Bible le dit dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Tout. À manger, à boire, tout. Mais d'abord en cherchant Dieu et son royaume et sa justice. Amen. Et on ne devient juste aux yeux de Dieu que quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que Jésus est le seul être parfait qui ait jamais vécu sur la terre. Lui qui n'a point connu du péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin que par lui, Jésus, nous devenions justice de Dieu. Tu ne peux devenir juste aux yeux de Dieu, c'est-à-dire que Dieu vous voit comme si vous n'avez jamais commis de péché, à la seule condition de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, le seul être parfait qui ait jamais vécu sur la terre. Amen. Ça, c'est la vérité, ça, c'est le réma. Amen. Donc, Nzambe, voilà pourquoi aligné tous à la prospère, pour être ceux qui te commis prospère, but y a Nzambe pour la prospérité, n'a bisous Ali, parce que Nzambe aligné bateau, baza perdu, babikisama. Or, pour babikisama, il faut toi annoncer évangile. Or, pour toi annoncer évangile, il faut tous à la prospère, tous à la béni. Pour ceux qui ont la mbongote, le coup là pour le moment, je passe à la RTVS satellitaire. Écoutez très bien, je ne passe pas gratuitement, je paye l'argent. C'est beaucoup d'argent. Donc, pour que les gens me suivent un peu partout, il faut être prospère, il faut être béni. Parce que
Il y a des fois où, soit si moi, je ne me déplace pas pour aller annoncer l'évangile, je dois envoyer les gens. Et ces gens-là que je veux envoyer, ils doivent avoir le billet, ils doivent avoir ceci, leur séjour, ainsi de suite. Et tout ça, ça demande de moyens. Et voilà pourquoi, vous voyez, Dieu nous a donné cette lourde tâche. Le fait qu'il nous a dit dans Marc 16, 15, allez par tout le monde, c'est-à-dire aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Oh, toi qui n'as pas de prêcher, ça m'a dit à toute la création. Oh, création, la créature, il y a 7 milliards d'habitants. Tout est avant, ça m'a dit, tout est en dengeni. Ceux qui t'ont prospéré, ceux qui t'ont mis à awa. Moi, heureusement, ils ont satellitaire, il y a partout dans le monde. Voilà pourquoi je passe dans cette chaîne satellitaire pour atteindre un plus grand nombre de gens, même si je ne me déplace pas, mais les gens écoutent l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Est-ce que nous suivons très bien, mes bien-aimés? Voilà pourquoi Dieu veut nous rendre prospères. Mais Batulelo, Bambongo Nabango, Bazo investir dans Oizabo continent Tambete. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, je vais exploiter ce deuxième passage biblique très important, c'est dans Luc chapitre 12, verset 34. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et là, nous allons comprendre encore beaucoup de choses. Et quand vous allez comprendre cela après quelques temps, je vous laisserai le temps de poser vos questions et ou peut-être d'intervenir, de me dire comment vous avez reçu avec douceur cette parole qui a sauvé votre âme. Amen. La Bible dit dans Luc chapitre 12, verset 34, je lis pour vous au nom de Jésus. Écoutez ce que la Bible nous dit. Car là où est votre trésor, là aussi se trouve votre cœur. Pouete et pas les alliés bombement, hein, ou et pas au bombaka, hein, bon on a eu, trésor on a eu, et pas et pas mon thème on a eu, les alliés. Amen. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, je vais vous dire une chose. L'argent représente la vie. Ce que vous faites de votre argent, vous le faites aussi de votre vie. Ce que vous croyez vraiment, vous le démontrez par l'emploi que vous faites de votre argent. Oyo ndi makaya solo, okomoni sango na lolengo zali ko sale la mbongo na yo. Amen. Donc, ce qui est vraiment, le coach, docteur, capitaine Mbombe, le professeur motivateur, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qui est vraiment, 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 ce qui est Amen. Voilà pourquoi mon ibate est vraiment, mais bah démontrer à te bah juste celle la moté na nini parce que bandima na bango li lo bananzambete bah croire te que non nzambe pourquoi alinga zo bambongo na a prospère alinga za la prospère za la béni. C'est bien, Dieu veut que nous soyons prospères bénis, mais pourquoi alingi to za la prospère béni? Et ça la finalité nini et ça lipo non pas qu'à ba besoin à puisse à la pourvie mais tu comment sur sa bénédiction pour ba monsieur tout simplement ceux qui biso na oto zo yo ka lokolo zo yo ka ba rema ozo ndima alolo lenge oyo ko sale la mbongo na yo yango ndi mtu ko prouver vraiment que yo et pas il tenda trésor nos alli et pas ipé mon thème nos alli. Amen. Prouve ta foi en confiant en Dieu ton argent. C'est pourquoi vous voyez que Dieu dit dans Malachie chapitre 3 verset 10. Écoutez très bien ce que la Bible dit. Apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, c'est-à-dire l'argent. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est le seul endroit où dans la Bible on a dit de mettre Dieu à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas, écoutez très bien, sur vous. Si je ne répands pas sur vous, ce qui n'a sopité l'icône na yo. Ah, tike sopana l'icône na yo mtozolanda barema. Écoutez quoi? La bénédiction en abondance. Li pamboli o ekoye ba kozalaya ebele a ebele en abondance. Abondamment pourvu, complètement approvisionné. Amen. Voilà barema. Voilà pourquoi je vous ai dit que Dieu, quand il a créé l'homme, les toutes premières paroles que l'homme que Dieu avait créé a entendu, c'est
la bénédiction. Dieu le bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la sujettissez et dominez. Amen. Et voilà maintenant, Dieu confirme maintenant comment nous pouvons alors rendre cette bénédiction réelle sur le plan matériel en apportant dans la maison du trésor nos dîmes et nos offrandes, c'est-à-dire l'argent. Mettons Dieu à l'épreuve par cela et nous verrons s'il n'ouvre pas pour nous les écluses des cieux et s'il ne répand pas sur nous cette bénédiction qu'il a déjà prononcée, mais en abondance. Mais pourquoi bénédiction ça pour cependant l'abondance c'est la banane en Zambé ou bien à battre Bélé? C'est parce qu'il va éviter que Bango et Seigneur va prouver qu'on dit mana bango, n'a qu'on confie mbon na bango et pas une entambé. Mes bien-aimés, écoutez très bien. Quand vous mettez votre argent dans l'œuvre de Dieu, votre cœur y est. On met son argent dans ce qu'on croit vraiment. Et votre argent prouve votre foi. Amen. Ndeko soki ya solo ozimbo ngono tiango na musala na Nzambe lokola ozolanda pasteur capital bandana banda koleka deuxième année yango na koti na télévision ba okuti bazola na radio na RTA mukonisu na zaole kana zaole ba kozwa en relais même kolo depuis mois de septembre bazozwa sur en relais te pona nini parce que bato ba lingi kozwa mbongo na bango te ba tiango na musala ya Nzambe parce que moto atiaka mbongo na musala Nzambe moté mané peza wana. Amen. Oko chambongo na yokaka na oyo zali kondima ya solo. Mbongo na yo kuprovende kondima na yo. Amen. Bati bele kondima zate. Bazo croarte ke nzambe mitaye bako fer prospere. Bazo boma bantoto na beforma bango po baluka. Ainsi de suite. Alors ke nzambe alobi c'est la bénédiction, c'est ma bénédiction qui vous fait prospérer et les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Ainsi de suite. Mais résultat va bien. C'est parce que les gens ne comprennent pas que bandeko pourquoi nzamba pambola kabiso a lingi pusokuto pambola mito contribue l'avancement à œuvre. Il y a 7 milliards d'habitants, peut-être 3 milliards bayamba yesu, mais 4 milliards n'en bayambité. Mais bako yamba ndenge nini aussi longtemps que toujours annoncer évangélité. Pasteur capitaine rotambola bisika mieux sur tout. Ceux qui n'a formé bato na kotinda ba mais pour ba kende il faut ba mbongo. Ou ka tamsu na bako non to linga to fond l'église quelque part ainsi de suite to quand même ba mbongo to tindi. Mais bato e belé ba mbongo na bango. Bandeko balingi ko yeba ko tiango tena o ezali mosala na Nzambe. Ya moni l'apôtre Paul ya sila ko yeba ko loba eloko ezali vraiment ya motuya alobaki ke ya solo eloko biso tozo luka ezali te o ezali mbongo na bino mais ezali o ezali motema na bino âme na bino. 2 Corinthiens 9 8 qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous lisons cela 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. La Bible dit là c'est 2 Corinthiens 8, 9, mais il y a un passage très très important que je voulais aussi partager avec vous et qui nous montre que la Bible nous dit, prenons d'abord dans Matthieu chapitre 16, verset 26, et j'ai toujours répété ces versets-là. La Bible dit dans Matthieu chapitre 16, le verset 26, la parole de Dieu nous dit ceci, je lis pour vous au nom de Dieu. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait-il un homme en échange de son âme? Moto échange et li monaya ko pesa elokonini. Amen. Voilà pourquoi na lobaki bandeko batu bazana posa bazwa o ezepa na biso ba oto yamba Yesu, c'est-à-dire quoi? La vie éternelle que to luka to zwaka mbongo na bango, alors que nzamba zo visé d'abord mitema na bango pour moto soki ya solo nzamba gali motema na même na bambo ono ko pesa on pona nzambe et ba te bele so ba pesa bambo na bana nzambe te parce que mitema na bango na meza gagner na nzambe te. Voilà pourquoi vous voyez que quand j'interviens ici, j'ai dit, mais que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Une âme humaine a de la valeur aux yeux de Dieu, plus que toutes les ressources du monde mises ensemble. Ça, c'est la vérité. Et l'imonamoto, et zayamoto, et kolikabos, union, ce tuyamo, qu'il est même tout sang ici. Voilà pourquoi Nzambalingaka a gagné d'abord moté ma moto. A gagné à ma moto. Ce qu'a gagné, moto, on a même nabozunae. Pourquoi au bombango? Voilà pourquoi, Nzamba Rolobano, Memango, na église, pesa badim, na offrande,
pesambongwana changa l'épreuve okomona senga na kufungu la yo manini sa lolate croissance ya nzambe za surnaturelle za croissance ya mokilité ou za croissance économique na zi économiste de formation. Je connais bien l'économie, j'ai fait les études économiques, j'ai terminé à l'université de Kinshasa, j'ai travaillé au conseil permanent de la comptabilité au Congo, je connais bien le finance. Donc tant na zote ya mamba mbongo na e bien ngona ba spenio so ya mayele, mais beaucoup plus spirituel au batte bele ba yebakate pourquoi nzamba zo pambola bango. Parce que c'est difficile, mon tout, quand bon, on a opé ça, ce qui, mon thème, on a gagné pas une ensemble. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, le cœur de beaucoup de gens est gagné au Seigneur, parce qu'ils acceptent d'abord Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour favorable, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. En croyant du cœur, on parvient à la justice. Et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nandimi, ndekwe pa yo zali kuna, ozo bele la kombo na Yesu Christo, e pa yika ozali, bele la ka kombo na Yesu, lo kola mo kondi, pe mo piki sinayo, e ndima ke, il y a seulement limo mon santo azako yingela na motema na yo pour être nzambe azo a motema na yo et ce cas yango même bosui na yo okubanda ko pesa ngo pa ina nzambe peso ko komi ko pesa ngo pa ina nzambe nzamba rassure yo akoso pali susu li pamboli en abondance o yo ko to pesa o nzamba ko pesa yo susu e ko bakisa makoleka parce que ko za la bénédiction en abondance. Croissance yanzam bezala ka croissance surnaturelle. Voilà, mes bien-aimés, pourquoi Dieu veut nous rendre prospères. Et vous avez compris l'intervention d'aujourd'hui. Et je crois que vous deviendrez aussi des partenaires pour contribuer à l'avancement du royaume de Dieu, afin que nous puissions gagner des âmes, dépeupler l'enfer, remplir les ciels. Alors nous deviendrons des grands investisseurs du royaume de Dieu. Ndeko nzamba pambo la kabiso pour être sur ton juif. Tout pisaka, tout pisa pour na ouzali avancement ya royaume nae, tout gagner ba am. Amen. Non pour qu'il n'est pas une moto, am nae za gagner ta zo piso mbongo, ou an aiza vraiment, ou nzambi pinda a zo lingate, parce que ou yana ma mouma moko boye, tango église ko zala enlevé, tango période ya tribulation ko leka, nzambi tango a wétabli reine nae a mila, église na mouma an la reine yana, moto nyo so bozio ko zanango, e ko zala suya ete ko komana ma boko a nzambi, et que ça la pona ou ezali anzambe. Mais pour le moment, nzamba zana besoin mi tema bato pour soka gagnango, même babo zina bango, bako pesa pona ou ezali anzambe, et en même temps bako mettre nzamba à l'épreuve, bako tika la pauvreté, au contraire bako pambo la masu ya mingi, peto komona ke, soko komi béni, oko koma source ya bénédiction pona ba moussousou, nengi nzamba le bain Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui, mes bien-aimés qui me suivez en direct dans cette émission La Voix, la foi triomphante, votre professeur motivateur, le mentor coach, docteur Capitaine Mbombé, l'archevêque, que Dieu vous rende vraiment la vie selon sa parole. Les numéros sont là, plus 243, 99, 99, 370, 79, plus 243, 89, 555, 70, 42, comme aussi plus 243 81 812 00 92. Plus 243 81 812 00 92. Voilà ba numéro wana on a pesi soko bengi okozwa remanayo soko bengi le bi pasteur capital na comprendre pourquoi lelo ba mbongo na il faut na pesa ka boyebi na na ministère. Léon a dirigé l'église 20 ans, mais na mona batou coupé sa bambongo. Tena les gars même na ba télévision, mais na mona batou jamais ba yeba coupé ça. Oya bango bozui pour na oza ya nzambe. Tous yu appel. Allô? Allô, shalom papa. Shalom, prophète David. David. Oui? Merci, merci effectivement pour l'avoir enseigné. Moi, je fais ça. Dans tout ce dimanche, on a dans un dimanche, vraiment qui n'a pas pour la mambo, na yeba coucou, que ça m'a oza moua moua nzambe. Donc, y'a un dimanche, il y a bien un peu de temps pour contribuer à l'œuvre en Zambie. Il n'y a pas de papa pour la. Vous avez une grande prospérité dans la mission. Vous avez un papa pour la remarquer à vous. Donc, il y a un moment où tout est pour la mission. Il y a bien un témoignage. Merci, papa.
Nzamba Pambo, le prophète David, nous a déjà béni pour que ma source soit bénédiction. Yoga Somigo a investi dans beaucoup de Nzambi, Nzambi, à répandre sous bénédiction en abondance. Voilà pourquoi. Que Dieu te bénisse. A Pambo, la peine à chérir, na yo falon, ou à fêter qui anniversaire, na yé, y a solo le Dieu ou tel collègue. Liba les a bien. Voilà comment Liba la paix a bien. Ce qui moi, c'est dans mon bali. Parce que. Ah, tous va se appeler, yo. Allô? Pardon? Oui? Shalom. Luba. Jacqueline. Pambolama, Mama Kolotu, Pambolama. Jacqueline, Kuna la Luanda, Binonio Setu. Ah, Mama Kanda, ah, Mama Kanda. Ah, vous êtes Mama Kanda. Oh, Banarima. Bino pibe oune la, boune la, bamfou le belé na bama pamboli en abondance en Zambie. Amen. Na sepeline le obo bengi à partir à Luanda, Jacqueline pe solo, Mama Kanda, bandimi arima. Oui, bazo pambola, ma bazo ndi mama terre na bango partout et pa ibazali. Que Dieu vous bénisse vraiment, merci. Voilà, mes bien-aimés, nous sommes là en direct dans cette émission sur le thème « Pourquoi Dieu nous rend-il prospère ?» Bah, tu es belé, bah, zouzo, bah, mbongo, mais jamais, bah, pesa, on peut n'entendre. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous la bénédiction en abondance. Et dans le but, ce qui va bah, comprendre, là, on t'a oublié, bah, zo, ignoré, et voilà pourquoi, bah, zo, risqué, bah, perdre l'upamboli. C'est pourquoi, bah, tu belé, le, bah, zo, perdre, bah, ma pamboli. Parce que, bon, on a bango, ils a, pour na bango, moko, mais pour na bokondi, na nzambi, bah, gagner, bah, am, toi, grandir, royaume, nzambi, bah, salé, la, kangote. Voilà pourquoi, nzambi, a lingi, bah, nzambi, tant, bah, zo, na, b'église, bah, pis, bah, team, na, bah, franc. Parce que Nzambi, bah, bon, on a, y'a, on d'en tour, ça, la, poto, contribuer, na, œuvre, nzambi, ou contribuer, na, émission, Ozali kolanda lokola na tango oyo et kozala ya motu ya amen. Allô? Allô? Oui. Oui, c'est moi, copé, ça a l'église des Athéniens et pas pour la paix, pour avoir ouverture à temps, c'est bien. Maintenant, tu n'as pas été dans ma case, c'est bon, félicitations, pas le terrain. Vraiment. Merci Nzamba Pambola, merci. Merci vraiment. Nzamba Pambolingaï, à sa Pambola, à Pambola Peo, bo Pambolama, pour te contribuer à Evra Nzam. Toling to lak sabatou, pourquoi batou bazouara mbongo? Pour batou bele baye bien ote, tous yu appelo yo, ya Luanda. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Bah, on va se faire la honte, balingi, tam, si, otika, na pauvreté, alors que nous en balinga, bongo. Amen. Apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, c'est-à-dire votre argent, mettre nous en bas l'épreuve, et paye trésor nous ali, et paye mon témoin nous ali. Mais si vous en dîmes la loba, nous en bas, il faut qu'à m'attaper, bon, on a eu, au pire, c'est paye nous en bas, au mettre nous en bas l'épreuve, peu au monde en délire nous en bas, qu'on répandre, bah, bénédiction en abondance. N'a zoté à babilo, quoi, parce que, bandeko, Nzamba salangai grâce makambo Nzambe ya mbongo na ebi. Allô? Oui? Allô? Oui? Allô? Oui, je vous écoute. Bonjour. 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 Bonjour, bonjour, Loba. Oui. Oui. Non, yo, il faut croire toujours que, hein, un moko, bah, épreuve, quoi, y'a aux ala.
mais ce n'est pas pour autant que bénédiction en Nzambe a quitté sa moté. Alobi maître a le prévoco mon a quitté sa ma pambolé en abondance. Donc, yo salé là où Nzambe a lobi, parce que babé pa y trésor nous allé, pa y pe moté man nous allé. Si vous croire dans l'oban Nzambe pe, sa Nzambe a kosakate, a sa prometta que y a solo ceux qui moto, a za koye bako pe sa, parce que sa pambola biso. Mais si vous l'on y a comme mémasse, si vous l'on y a la réelle, tant aux allé koye bako pe sa, mais si vous pe sa, tende ni sko bénédiction n'y a comme un réel. Nzambe sa pambola biso. Ça c'est la vérité. Akoyi opambola biso pe ndenge tozo sala musala tozui mbon, mais so tozui pe bambon, il faut to pesaka pour être to vivre bénédiction ezali ya Nzambe. Pe to contribuer na œuvre ya Nzambe ba amba za la gagner. Voilà finalité ya Nzambe alingaka. Amen. Amen. OK. Merci. Amen. Ok, merci. Vous pas moulama. Bande on a zo le capo, ils ont façon pour chasser pauvreté. Amen. Façon pour chasser pauvreté, ils ont battu bille baye barangote. Donc, kola ki sabatou, nen baro yuko sala, ils ont bien gana la sabatou, bako ma entrepreneur, ba pe déjà ba propre affaire na bango. Ça c'est l'éducation financière. Mais ils ont makambo en Zambie. Nzambe alingi ba ambaza la gagner sera pamboli biso et pa imote manabise ali pa ipe et pa trésor manabise ali pa imote mezali alors so moto ndimaka alors okokama tambo ono maître Nzambe le preuve pour mon asko Nzambe ki tsuba ma pamboli mais bat balingi ko sale la monte bambo na bango bango moko et voilà pour communiquer. Allô, bonjour. Mais ça, c'est la galilo bananzambe, n'engete, ami, apporté dans la maison du trésor vos dîmes. Et pas y'a laissé ma galilo bananzambe, bas y'a laissé le loba. Mais ma dîme n'offrande, parce que m'bon, on est qu'on contribuer, pour bah, ampe, bas à la gagner, puis n'a pas mis ça la moussoussou, et les grands mandats, y'a qu'on s'amène, mais sous-sous salaté, n'est-ce qu'on s'amène, n'zambe, bah, faire na yo, on s'amène, sala, à ou l'inga faire prospérer, alors que bénédiction, n'a pas eu, ou t'es pas une nzambe, ou t'a, n'a pas mis ça la penda, ou t'es salaté. Amen? Ça, c'est la vérité. Ah. Et au limo à l'issue, pour ce soit yambi Jésus-Christ, soit dans la domination à Oyo, à limo Sarabambongo, parce qu'il nous a racheté de la malédiction de la loi. Amen. Ok, merci. Merci. Pambolama, Bater Nayo, Banda, Ekende Libosope, contribuer à la œuvre en Zambé, pas en Zambacheo, et en Zambacozalo, comme Yami. Allô? 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 Oui. Merci, pasteur. Merci pour l'intervention à eux à solo. L'ouvrier mérite son salaire. Moutoso azo sala, il faut afoutama, pour so azo foutama, à vous contribuer pour l'œuvre en Zambé. Mais une chose aussi, même ta ya moukosa na yango, même ta ou ba glinio tarabino, mais ou ya moukosa zoa, pesaka parce que, ou za millionnaire, milliardaire.
ezalozali pauvre lokola veuve wana ya pauvre azalaka na bapalata mibale mais atiaki yango na panier mpe yesu alobaki apesi kutu koleka bariche amen donc likambo ezali ya kopesa même na moke wana yango omoni bokoki kotravayela na bino ta mosu bafuta bino te me bazokamwa ndeni bozozala beni beni me bato baza bafonctionnaire me bazwaka bambongo mingi te me baza beni parce que bozomettre en application liloba na nzambe oyo ngai nazoloba j'étais dans la vie professionnelle nayebi lelo naza pasteur donc naza beaucoup plus instruit mpo na koyeba koedifie bato mpo bamosu balobaa me na mbongo moke naza nango na kopesa ndenge nini me mwasi mama oyo aveuve azalaki na bapalataka ya mibale ntango apesaki mpe yesu alobi apesi kutu koleka bariche oyo bapesaki lokola basuperflu bapesaki mpenza te oyo esengelaki parce que nzambe atalelaka te oyo biso toyebi kopesa me oyo togarde me bamosu bagardaka bambongo ebele me bazopesa wana oyo ezali mosala nzambe te mais conseil mpe ndenge olobi wana futaka mutu bien parce que soki ozofuta ye bien te nzambe epasepelaka te ntango bazolela esalaka bien te na miso na nzambe e nzambe ayeba kotene konte ya eloko wana topambolama tozala na bolingo tosalaka ke bato bapambolama parce que soki toa beni ngai lelo nazoloba je suis un pasteur beni avec une équipe du croyant beni e soki toza beni ndenge wana mboka bato baza beni mboka mpe kozala ya kopambolama ça c'est la vérité alors tokoki kozala beni mpe na bamisala tozosala e ntango tokozwa bambongo mais il faut toyeba koinvestir na mosala nzambe eloko nai narimakaka bato ebele basalaka bambongo na bango bayebi kutu nzambe te yango moni nzambe alobi non kaka na baoyo tozwaka bato bazopesa badime na bofrande me tosalela yango mpona kofaire avancer royaume ya nzambe mais toluka te tozwa mbongo ya bato oyo mitema na bango bapesi epai ya nzambe te que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdit son âme donc nzambe aa na besoin d'abord ya motema ya moto ya ame ya moto mpo soki agani yango même na bozwi ya moto akopesa yango mpo na nzambe e soki apesi yango mpo na nzambe akoperdre te parce que nzambe apromettre eza alliance ya salaki alliance oyo ezali ya bénédiction alobi je répandrai la bénédiction en abondance voilà mes bien aimés eza barema eza oyo ya solo ya ntuka bandeko na mokolo na lelo nandimi ke même na bino nde bolandaka émission oyo la foi triomphante bobanda kosoutenir yango boyebi ke nalekaka nalobi nakoti na deuxième année nana mona motu te aloba no pasteur nde nalani mateya boye banumero na mpeza wana nabanda koinvestir mpona oyo eza mosala nzambe namona yango te c'est pour dire ke bato ondire bayokaka na bango mais là où se trouve leur trésor mais peut-être pour mitema na bango mpe ezala gagner bapesa mpona mosala nzambe ezalaka difficile la preuve ani ke baoyo bazakolanda na radio rta mikolo bazolanda te bakoki komituna te mais pourkua toolanda sur pasteur capital te bazwaka numero na babengi babi no pasteur soki eza probleme ya kofutaka parce que ngai momi nazala kofuta même ba quelque ma membre église nango bazalaki kopesa bazala kopesa suite e ngai mo nazala kocontinue kopesa mais tala kaka ke bacharge eza ebele oteya liloba yo moko osi opesaka alors que bino mpe esengeli bozala bapartenaire bosoutenir œuvre oyo mpo ete soki bokomprendre mateya oyo je crois ke nandimi ke bato ebele bakocomprendre ke ilfaut basoutenir mosala nzambe soki ozoya na église pesaka badime na bofrande ça c'est la vérité mais peut-être olandaka ozaka na église no okoki kopesa même offrande no na ministere oyo epambolaka lokola ministere oyo offrande nao nalobi dime te offrande nao okoki kotinda opesi mpo ete econtribue mpe na avancement ya royaume ya nzambe toganie baame ndenge na tei na mokolo na lelo ça c'est la vérité je crois que ya solo nzambe alingi tozala riche mais bariche moko généreux oyo bakabaka non pas bariche oyo bazali cupide oyo babombaka bambongo mpo na bango parce que que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdit son âme si dieu gagne votre âme il va gagner aussi même votre argent. Vous allez l'investir dans le royaume de Dieu. Vous deviendrez un investisseur du royaume et vous allez mettre Dieu à l'épreuve. Et comme il a fait une alliance de la bénédiction, il va répandre sa bénédiction en abondance en votre faveur. Amen. Voilà, Toko, ma dernière minute. Oui, Tika Libiso. Nebozo Tuna. Allô? Allô? Oui? Allô, Pata? Oui? Par rapport à la communication de ah, merci pour rappeler l'adresse. Na banalia numéro 34 na commune à Kasavubu. C'est-à-dire que commune à Kasavubu, ceux qui osent na rond-point force, na veni Gambela,
ce que vous avez dit, je crois, si vous avez dit Banali à Ezawana, ou bien ce que vous avez dit, croisement, venir Kasavubu, na Gambela, à partir de venir Kasavubu, na coin d'ailleurs, bureau, na Ezalakawana, immeuble, Masamu, na deuxième niveau, à partir de la première, deuxième, troisième rue Banali, à partir de Gambela, na première, deuxième parcelle, numéro 34, et pas église Ré Malamou, triomphe toujours Ezali. Le quoi, si quoi, si on a l'ongue, awa, 7h, déjà, culte Nabiso, Ezo Banda, Tina, 9h30, premier culte, deuxième culte, 9h30, Tina 11h, puis tout semble la paix mardi de 16h30 à 19h, puis jeudi de 16h30 à 19h. Amen. Merci, merci. Nandimi Goya, pour ce moment, Goya, au Kozalana équipe Yaba, Ndimi, au Baza, Beni, Namboka, Oya, RD Congo, Batu Baza, Pambolama. Amen. Yambali Pambolama, la Kombonaïs. Voilà, mes bien-aimés, nous sommes bénis pour être une source de bénédiction pour les autres. Voilà le message d'aujourd'hui. Un message très important et je crois que cela a touché le cœur de beaucoup de gens. Vous deviendrez des investisseurs du royaume. Ça, c'est la vérité. Dieu n'a pas besoin d'abord de votre bien matériel, mais il a d'abord besoin de votre cœur. S'il gagne votre cœur, votre âme, alors vous allez aussi donner votre argent pour l'avancement du royaume de Dieu. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Oui. On n'avait pas dit que directement dans la liste de la publicité, à porter à l'IBI. On pense aussi que les heures, une fois que j'ai dit un pasteur, on a dit trésor, c'est le trésor public. Bon, quand nous on donne la liste, est-ce que vous vous apportez ça au trésor public pour contribuer aussi à l'œuvre de Dieu et à la population? Non, non, c'est-à-dire, on ne parle pas de trésor public, c'est-à-dire quand on dit là où se trouve votre trésor, c'est là où se trouve votre cœur. C'est-à-dire que votre trésor, c'est votre argent. Si Dieu gagne votre cœur, l'argent que vous avez, vous allez l'apporter selon Malachie 3.10. Apporter dans la maison du trésor, c'est à l'église. La maison du trésor, c'est l'église. Oui, c'est l'église. Ah oui, c'est ça la précision. Oui, c'est dans la Bible, Malachie chapitre 3, verset 10. Apportez dans la maison du trésor vos dîmes, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dans la maison du trésor, c'est l'église là où on vous nourrit de la parole de Dieu. Amen. Voilà, Bandeko, voilà, Barema, Yakana Rema, Banali, numéro 34, na commune à Kasaoubou, Negeto Sambelaka, premier kit dimanche de 7h. 30 à 9h30, deuxième kilt de 7h à 9h30, premier kilt, deuxième kilt de 9h30 à 11h, le kolalelo dimanche, ndenazo longwa soki na kiti, oyewana okozwa barema, tu deviendras un homme béni, tu deviendras une source de bénédiction. À 19h, toujours à téléphone, Ezarapé, réunion à priorité guérison miracle, et jeudi, Ezarapé, réunion d'enseignement de 16h30, à 19h, toujours à Banali, à numéro 34, na commune, à Kasavubu. Et puis, bah, maté, on a même une église, n'est-ce pas, l'équipe, au cours, là, on a 8h, sur le côté, on a Facebook, Capitaine Mbombe, au tchèque, Capitaine Mbombe, au cours, là, on a maté, on a en live, na YouTube, na chaîne, na YouTube, compé, bah, je me suis, n'est-ce pas, l'équipe, et ça là-bas, mardi, jeudi, sur une alléquie, dans l'église, dans le na dimanche, bat balandaka, en live, en direct, même temps, les lots, na promettre, yo, kotara na Facebook, Capitaine Mbombe, na n'importe quel coin du monde, ou kou la namatea, oyo, et kou pambolo suya mingi. Voilà, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous rende la vie selon sa parole. Prospérez sur le plan matériel et financier. Soyez en bonne santé physique, du sommet de la tête jusqu'à la plante de vos pieds. Comme à prospérer l'état de votre âme avec la parole du Dieu que vous avez reçue aujourd'hui. Et je crois que vous deviendrez des grands investisseurs du royaume. C'était l'émission La foi triomphante, la voix triomphante, qui vous a été présentée, produite par votre bien-aimé, l'apôtre de Jésus, l'archevêque, mentor, coach, docteur, capitaine Mbombe, le professeur motivateur, celui qui vous établit dans la foi et dans la particularité. Le mariage est bon, libalez à bien. Nzamba pambola pe, gloire kazadi.
oyende mta bundana ki na regi pe na kamera pour être na yeba ko servir bino landa rediffusion émission yo mardi na 0h45. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous rende la vie. Selon sa parole, je rappelle le numéro 099 99 370 79, 089 555 70 42, 081 812 00 92, qui beaucoup ma partenaire y a ministère et ma pour être tout faire avancer royaume en Zambie. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Papa na gayo, sambe na dika mwa, dare mananga, sambe na gayo.